soir. Là-haut, on part en vacances avec les copains. Oui. On sait pas trop où on est dans la France. Et on va dans le sud. Non. Dans les Landes. On va dans les Landes. À côté de Mimizan. Donc on va à Saint-Julien-en-Born. Notre objectif, c'est de partir avec entre 400 et 500 euros de budget. Je pense 400, ça suffit. Ça, là, on est que deux. On part en vacances à 7. Ouais. C'est un sacré challenge. Et en vrai, vous avez déjà vu quasiment tout le monde dans les autres vlogs, pour ceux qui ont vu pas mal de vidéos. Donc ouais, vous allez reconnaître toutes les têtes. Ouais. On a les voitures, les affaires de 5 personnes dans cette voiture. Parce qu'il y a 3 stars qui arrivent en avion, de la Corse et de la Belgique. On avait trop hâte de faire une vidéo tous ensemble comme ça. Et bah, surtout de partir en vacances tous ensemble. Parce que bah, ça fait quand même... À part Céleste qui est arrivée plus tard, mais on est tous copains depuis très 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 longtemps. 7-8 ans, voire 20 ans pour certains. Non, c'est... Mais et c'est la première fois qu'on arrive à partir une semaine complète. Alors, c'est faux, genre on fait tous des trucs différents et on a réussi à avoir une semaine en commun. Il y en a qui sont encore étudiants, il y en a qui sont en CDI, il y en a qui ont quitté leur CDI. Chômage. Le programme est plus, enfin, il est pas trop fait, mais il y a quand même des trucs. Le peu de trucs qui est prévu va être trop bien. Ouais. Allez, du coup, on y va. Radio station BTSN00P. No makeup on, I let it. Cherche les copains sur la plage. I swear you make me sick. I want your love. I want your name. Pour ton pote, ta pique-nique. Comment faire les courses à 7 pour 7? Du jambon pour pique-nique. Du fromage pour pique-nique. Juste prix, jeune. Trop. 32 et 84 centimes. 178 et 14 centimes. 194, 21. T'as dit combien? 294. Et bah avec la salade, ah non, ce sera 203. Ça fait 5 minutes. C'est beaucoup là. Ça marche pas ta merde là. Mais non, c'est juste qu'il faut le présenter. Oh la vache, ça marche trop bien. Va loin, Pierre. Allô, pour voir si ça marche. Mais t'as une... Va à la piscine. Oh, t'as un bouton lampe torche. Ah bah Mais il a l'air du coup, comment qu'on marche? C'est comment qu'on marche? Oh. Ok, on se rejoint à la piscine. C'est bisous. Où qu'on parle? Comment? Est-ce que ça va, Pierre? Oui, ça va bien, merci. C'est super. Réserve le pain pour demain, s'il te plaît. Hello, morning. Oh non, c'est bon. Ça va être des bons pour la... Birthday boy, birthday boy, birthday boy. Hello. Hello, it's me. Let's make some bad decisions. I want you to pay me all of the time. Send me all your kisses. I want you Monday, Tuesday, Wednesday, baby, every night. And if quel emplacement, s'il vous plaît? Sois plus sympa. À 407. 407. Oh, on a un nouvel apéro. 407. Bah, dis merci beaucoup. Il y a aussi apéro au 423. Apparemment, il y a aussi apéro au 423. Je le répète, apéro au 423 également. Allez, j'ai un leurre. C'était un leurre. Ok, ça roule. Bah, on passera au 407 à 19h. A tout à l'heure. Ok, ça roule. Bah, nous, on est 7 et il faut savoir qu'est-ce qu'on peut ramener. On a du saucisson, des saucisson. Peut se boire et se manger. Ok, ça roule, on a du saucisson déjà et on va viser pour le reste. 85. Vous savez c'est quoi son numéro? 85, là. On continue, après le 87, le prochain c'est le 68. Allez Pierre! Allez Pierre! On continue, après le 68, le 63.
Everybody see me looking fly. And I think I know the reason why. Cause I got you right here by my side. And I can't let you just walk away. If I ain't with you, I'm not okay. Let's make some bad decisions. Échange, échange. Vous regardez des vlogs de la chaîne? Le rétro. Le rétroviseur. C'est le rétroviseur de la C3 Cross Air Cross. Nope. C'est le sac. D'accord. C'est le bouton warning de la voiture. C'est joli, non? Tu fais un vœu, par contre. Oui. C'est sifflé? Ouais, je peux souffler. Tu fais ton vœu, hein? Ouais, t'inquiète. On est tous levés et il est quelqu'un à l'heure. 10h17. Tu vois, c'est celui-là. La randonnée de la rune. Il est 10h44. On va où? On va au chemin de Montauxen. En tout cas, c'est dans la bonne ville, normalement. Là. Ah, t'es en bas de ce chemin-là. Ouais, voilà, le terrain de motocross. Ah bah c'est là, c'est ici. On est parti. Allez, let's go. C'est le départ et on est 3h. Un slip de ton côté, Pierrot, ou pas? Parce que nous, on a tous 2 heures de sommeil supplémentaire, sauf qu'avant, autant te dire que notre team volait dans les montagnes. Ah bah ça, on est content, ça. Bah, Céleste, elle est encore en train de dormir. Merci. C'est ça qu'on veut. Je veux juste vérifier, moi, que les filles sont réveillées. Vous allez avoir l'honneur d'avoir le premier mot de Lola à son réveil, maintenant. Bon, alors là... C'était quoi, hein? Bonjour. Y'a rien qui va. Ça va sous le mat? Ah, c'est vraiment bon. Non, ça va pas, je suis terminé. Et Céleste alors? Je suis fatiguée et je suis de mauvaise humeur. Il te reste 2 minutes pour être de bonne humeur. On a pris les abricots? Moi je les ai pas pris. Est-ce que on a pris les abricots? Je crois que personne n'a pris les abricots. Coucou Lola, est-ce que tu es ready? Nous sommes à Asquin, Asquin, et on va faire la randonnée de la rune. Le petit train de la rune, sauf que nous, on fait à pied. C'est quoi le dénivelé? 900. Ok. Et on a 2h30 de montée. De montée et 2 heures de descente, normalement. Mais c'est ça. Voilà. Sous mat. Rosane, t'es la seule qui a pas tes chaussures, dépêche-toi. Ah, mais non, Jeanne non plus. Dépêchez-vous. C'est le départ. On fait un chemin difficile. Kaja. Tant qu'on joue, peu importe de gagner la vie. C'est à sillonner les années. Et on est dans les nuages. Des jours sans, des galères, des soirées qui font venir. Et on a monté, il a dit quoi, 100 mètres de dénivelé en hein. Je t'aime. 13 minutes. Il y a des petits chevaux. Mais ça a un nom. Regarde, hein. Là, c'est ton pré-anniversaire. Mais tu peux pas les faire. Coucou Bibou! Les avis, ketchup. J'encaisse. J'ai à additionner les échecs, et tant pis. Si je perds sur la route, ça annonce combien de temps? Des amis, qui durerait, je croyais pour la vie.
si tu l'aimes. Autant lui dire et le reste attendra. Je croyais que on voit rien du tout. On voit même pas Rosé. Ma théorie, c'est que ça va se dégager quand Lola sera en haut, c'est pour qu'elle puisse monter avec le vent frais. Là c'est pique-nique time et on ne voit rien pour l'instant. On vous update si après on voit quelque chose. Pour l'instant on voit notre sandwich. T'as entendu Rosé ? Quoi ? La carte avantage elle a 25 euros là. Mais je pars en Corée Lola. Pierre t'as entendu ? Parce que je te guide, on fait un peu les oufs, mais en vrai. Donc, bienvenue dans l'étape numéro 46. Là, on est en pleine descente. Et puis, on arrive bientôt aux trois sources. On l'attend depuis longtemps. C'est pour boire parce que, en fait, il n'y avait pas d'eau potable au sommet. Et apparemment, on devait dire ce qu'on foutait là. Moi, je ne sais pas, donc je vais laisser ça nous parler. J'ai rien à rajouter. À part qu'on est allé jusqu'à 905 mètres d'altitude. Là, je sais pas on est à combien, mais mais là on est dans la forêt donc c'est plutôt sympa. Ouais. Et apparemment voilà. la descente dure 2 heures et on a mis 3 heures pour monter à peu près. 2h45 pour monter. 2h45, ouais. Et là ça fait à peine 1 heure, ouais, 45 minutes qu'on descend. C'est plus facile quand même qu'à l'aller. Hein. Oui. On est où la Gurvan ? Au fort de Moïse. On a enfin une belle vue. Là-bas, il y a la mer. Après 6 heures de marche, on a une belle vue. Et là-bas, c'est les Pyrénées. Ah ouais ? C'est là-bas la voiture ? Je pense. Je sais pas. Par là. Il y a pas un petit téléphérique là ? On est actuellement en train de détester Pierre. C'est la merde. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qui avance ? Mais pas avancer. Bah, Rosé, parce que les trucs piquent en fait. En fait, il faut que tu viennes là. Attends, wait. Sorry. Tout le monde est sorti, sauf moi. Ok. Good job. Update de la rando qui vire au cauchemar. On a retrouvé le chemin et en plus, il y a des podocs. Du coup, Lola est contente. Pour le bar, sans témoin de geste, s'il vous plaît. Ouais. Coucou, on est arrivé à Espelette. C'est très mignon. C'est très mignon. On a vraiment beaucoup la flemme, surtout Lola et moi. Donc on vous emmène avec nous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est bon. Moi j'aime. Moi j'aime. Très bon. Donc là oui, on revient d'Espelette. On est tired, very very tired. C'était une grosse journée. On a fait 10 km, Pierre il a dit. On a fait 10 km 8. 10 km 8. Et on a acheté des trucs. Ah oui, non, là c'est calme parce qu'on est que 3. Les autres arrivent plus tard. Enfin, ils sont partis dans 2 minutes. Du coup, on a acheté des choses à Espelette pour le repas de ce soir. Parce qu'on s'est fait attraper par un monsieur trop gentil qui nous a fait goûter tout le magasin. Du coup, c'est saucisson, brebis, cèpe. Et normal. Non, ah non, le normal. Non, normal. Pour le dessert, bah évidemment, c'était évident. On a pris un gâteau basque. Un gâteau basque. Qui a l'air, je ne l'ai même pas vu. On n'était pas d'accord entre cerises et crème. Du coup, on a pris un gâteau, il y a les deux. Mais c'est pas de la confiture de cerises, c'est des vraies cerises. Ta-da ! Du coup, c'est pour les le dessert. Deux en un. Mais en tout cas, dans nos activités de vacances, pour l'instant, il y a de la rando et de la visite de village. Et C'est très cool. Et là, c'est nice. Et du chill, du farniente, de la piscine, de la plage. Mais hors caméra. Voilà. C'est parti. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée. Journée bateau. On est le 24 août et puis il fait un temps incroyable, le meilleur temps de la semaine. La dune du village. La dune du village derrière. Et il y a trois ploucs qui nagent. Ils ont pied donc ils sont contents. Ils vont jusqu'au banc de sable. On a payé 49 euros pour la journée chacun, les 7.
et on a le bateau de 9h à 20h. Quoi. Ouais. Mais on paye pas trop cher parce qu'on a deux pilotes. On dit pas des pilotes. Ouais, ça c'est pratique. Deux capitaines ouais. Qui ont leur premier bateau. C'est ça. Et pas besoin de skippers. La recette pour une bonne journée. Ça va être incroyable. Jeanne va aller dans la soute. Excursion. Pour essayer de trouver. Alors c'est une soute qui va dans tout le bateau. Oh, et elle peut rentrer en entière. Oh. Regardez. Au revoir Jeanne. Ok, est-ce que vous me recevez au banc de sable? Oui. Tout va bien. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day. La journée bateau. Ah ouais, mais moi j'ai vu ça comme ça. Moi je fais les burgers. Moi aussi je fais les burgers. Les gens des burgers, ils prennent toutes les lignes qui vont au burger quoi. Moi je veux bien prendre le petit déj. Donc les jus d'orange, il faut les œufs. La pâte. Vous faites la fin. Ok. Regardez où on se retrouve. Les gars, Je crois qu'une fois que le mâle il a fécondé la femelle, et ben la femelle elle chope le mâle par ses grosses pinces là. Elle lui arrache la tête. Oui. Et elle mange. Et elle mange. J'ai un pain qui est grillé au riban là, vous avez en un gros, truc de prêt pour lui. Je le mets là et on met un steak dessus et c'est parti. Ouais. T'as dit combien de fromage? 6. Pour 2 steaks. C'est son deuxième burger, on précise quand même. Là-bas il y a à peu près la même chose. C'est le même. Non, c'est plus petit quand même, Guillaume. Hein, je suis désolé, mais c'est pas la même chose. C'est parce que moi je l'ai écrasé. Toi aussi t'as mangé le même? Comme ça. Ouais. Said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. On est arrivé trop tard, regarde. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. On a un peu les mamans qui viennent chercher leurs enfants, regarde, regarde. Aujourd'hui, lundi, c'est à combien, Rosé? Mais du coup, à partir de combien il faut utiliser de la crème solaire? En général, c'est 3. C'est pas obligé, mais c'est toujours mieux pour prévenir des cancers de la peau. Un jeune. Ils disent que si elle met de la crème 30, le temps sera multiplié par 30. Je pense que c'est totalement faux. Parce qu'après, mettre un coup de soleil apparaîtra après 30 fois 15, soit 7h30 minutes d'exposition. Ok, n'allez pas sur ce site, c'est une arnaque. C'est de la merde. Attention, arnaque. C'est après sieste et montage. Il y en a qui sont à la piscine, il y en a qui dorment. Moi, je prépare le vlog des gars pour le GR. De l'autre côté, on voit la mer. Pas de notre côté, mais c'est très sympa. C'est quand même très très nice là où on est. C'est bien décoré. Il y a des petits coussins et tout. Ça a l'air bon. Ça, on est content. Ok. Qu'est-ce qu'on peut manger? La pizza de Tanguy, elle a l'air incroyable. Ça fait une viande en capri, c'est du fromage de chèvre, du jambon italien, des figues, des olives, du fromage, de la crème et de l'origan. Ok. Toi, t'as des moules frites? En classique, les moules frites, ça fait très longtemps. Première de la saison. Salade César avec des figues, du parmigiano, un œuf, mollet, et du coup. On a le droit de manger ou quoi? Mais ouais, on a le droit de manger. Et moi, c'est une petite salade avec de la burrata, du pesto.
pestle au beurre et des tomates. Ici, on a la cade fromage. Oui, oui. Et là. J'ai la même salade, mais j'aime pas les figues et pas les noix, donc ma salade a l'air beaucoup moins stylée. Mais tout aussi belle. Et moi, j'ai pris comme Gurvan. Là, c'est industriel, comme dirait Tanguy. C'est la crème le dos. Coucou les copains! Alors on arrive à la fin du séjour et comme on fait rien pour comme tout le monde, on va vous présenter les gens qui ont fait partie de nos vacances. Je m'en vais vous les présenter. En premier, nous avons celui qui adore faire le ménage dans mon binôme. Lui, c'est Pierre. Il a 23 ans. Anniversaire qu'on a fêté juste ici. Je le connais depuis à peu près une dizaine d'années maintenant, presque. Et Pierre, c'est celui qui est le plus au taquet au niveau des vidéos YouTube. Voilà, vous pouvez le retrouver au niveau de ses vidéos. Il y a bientôt une vidéo du GR20 qui va sortir. Il est allé au ski. On se dirige vers les deuxièmes guests de cette semaine de folie à Cibulu Village. Donc la première a rejoint notre team il y a maintenant à peu près un an et demi. C'est ses premières vacances avec nous. Elle s'appelle Céleste. Elle est future médecin. Elle a 22 ans. Le seul, l'unique... Gurvan qui a fêté lui ses 23 ans il y a à peu près une semaine. Il troue tous ses pantalons, mais il coupe très bien les cheveux comme vous pouvez. Elle a un carré plongeant. Avec le couteau à pizza. Notre prochaine participante à ses vacances s'appelle Rosen. C'est la doyenne du groupe et c'est grâce à elle que vous voyez toutes ses vidéos. Après vous avoir filmé la doyenne de la saison, je vous filme le plus jeune. Regardez, il revient d'avoir fait les courses pour demain matin. Je vous présente Tanguy. Il me semble que Céleste est plus jeune que moi. Tanguy, c'est un peu le plus musclé du groupe, celui qui a toujours de l'énergie. On appelle aussi saut de cabri. Et il a un estomac, c'est un estomac sur pattes. Pour finir, laissez-moi vous présenter l'iconique Jeanne, aussi appelée Jeanne Noul dans le milieu. Regardez l'épisode 4 de notre saison à Quibon pour comprendre pourquoi Jeanne Noul. Elle fait son activité favorite de tous les temps, à savoir le saucisson. Elle a 24 ans également. Elle est incroyable. Et c'est ma soulmate. Et donc ça, c'est Lola. Elle a 23 ans. Je l'ai rencontrée au ski il y a 10 ans. Et a fait ses études de sage-femme en Belgique et elle kiffe sa vie là-bas. Très très fort. Gurvan, il a nettoyé mes chaussures. Regardez. Si ça, c'est pas incroyable. Story time. On s'est mis un peu à la bourre pour cuire nos légumes à la plancha. On a un RDV avec le sunset dans 1h15. Ouais, c'est ça. Du coup, normalement, on a une plancha normale, un jardin. Regardez ce que les gars ont fait. Ils sont allés chez le voisin. Donc là, il y a une plancha. Là, c'est courgette, aubergine, et là-bas, c'est champignons. Et là, t'as un autre escroc. Qui n'est pas du tout à nous. Celui-là, ça n'a, on n'a pas le droit du tout, du tout. Ah, t'as moussé. Moussa Myrtille. Coucou. Soulmat à Soulmat. Coucou. Miala à Harry. C'est quoi? C'est pas toi, Gurvan. C'est parce qu'on a Mousse et Myrtille dans la même voiture, on est des ploucs. Ah oui. Mais Gurvan, je te parlais pas à toi. Hein. Ah, j'ai cassé. C'est broc le. La mandragone. Nous sommes sur la route de Pontis et nous on va là. Oh waouh. Celle que l'on aime. Celle que l'on nous éloigne de nos problèmes. Oui, Tanguy, oui. Oh, la folie arcade. See the light as it shines on the sea. It's blinding, but no one knows. On a raté le sunset, mais au moins on va jouer au volet. CC a fait tomber son Danonino par terre. And it seems like it's calling out to me, so come find me. Et voilà, c'est la fin des vacances. Avec mon doigt, ça me dégoûte. On est
tour de retour à la maison. Et puis, bah, on a le même temps que dans le sud, donc on se demande pourquoi on est parti finalement. Voilà. En tout cas, on espère que vous avez kiffé la vidéo. Ouais. Du coup, Tanguy est arrivé à Bologne avec un peu de retard. Mais, 1h30 de retard sur l'avion, mais il est content, il a acheté 2 pizzas. Ouais. Et Grandvin est arrivé dans son bled paumé à la fête du village. Et nous, on est arrivé à BDC. J'espère que vous avez bien aimé cette semaine de vacances, que vous avez adoré nous suivre dans toutes nos petites activités. Et puis, abonnez-vous, mettez un commentaire, mettez un pouce bleu, mettez la cloche et bientôt dans un nouveau pays pour de nouvelles vidéos. Ciao! Salut! Coupez.